Alors, ok, ça on est good. Alors déjà, faut quand même une intro parce que c'est assez particulier. Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on va jouer à Fiscal Combat. Alors pour ceux qui sont dans une grotte, qui n'ont absolument pas suivi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a produit ce jeu vidéo. Enfin, c'est son équipe qui a produit ce jeu vidéo, c'est pas lui qui s'est mis derrière une table de codage et qui a développé le jeu. C'est son équipe qui a développé ce jeu autour de sa campagne politique. Deux choses. Donc, je suis parti sur un jeu très rétro gaming, vous entendez à la musique. C'est cool, la musique est très cool. Et vous allez voir en fait que c'est pas un petit jeu jeté en l'air comme ça, il y a du taf. On sent que les gens qui ont développé ce jeu s'y connaissent bien en rétro gaming, on fait ça avec amour. Deuxième point, et on va voir qu'est-ce que vaut le jeu. Deuxième point, la vidéo est absolument pas politique, vous vous en doutez bien, je m'en branle royal de la politique. Et en même temps, c'est un peu comme la religion et comme la branlette, on fait ça en privé. Donc dans les commentaires, je vous remercierai de ne pas partir dans des débats flemmards politiques, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Poutou. Bon, Poutou les a tous mouchés, c'était drôle. Il les a... Oh, mais ça, c'est une autre histoire. Partez pas dans un débat politique, on s'en branle. On est dans du jeu vidéo. Traitez le jeu vidéo uniquement comme un jeu vidéo. Et montrez que vous êtes des gamers et des adultes. Donc dans les commentaires, partez pas dans des inepties et des idioties de politicards ou d'idéologie, c'est débile. On s'en branle. Jeu vidéo, humour et bon vivre. Donc voilà, c'était juste pour poser les bases. Donc on va tester ce Fiscal Gaming, on va voir ce qu'il vaut. Et vous allez voir qu'il y a de très 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 bonnes idées. Et mine de rien, ça fait du bien un peu que les politiques chatouillent un peu les jeux vidéo, les jeunes. Enfin les jeunes, je suis plus vraiment jeune, mais... Qui chatouillent un peu ce qu'ils ont dénoncé pendant des années et des années. Donc c'est vraiment cool. Donc on va jouer, tout simplement. Alors ça se joue extrêmement simple. Vous arrivez trop tard. Nous avons pris le contrôle des États et bientôt tous les internets. Rentrez chez vous. C'est ce qu'on va voir, ballot. Ken Stenchen de Melanchon. Donc on joue Jean-Luc Mélenchon. Avec une super belle musique. Qui est un tout petit peu forte peut-être. Peut-être baisser un tout petit. Attends, je vais juste vérifier le son s'il est pas trop dégueulasse. Jean-Luc Mélenchon. Avec une super belle. Non, ça va, la musique est pas trop puissante, ça va. La musique est... Salut, ça va. Et donc, attends, faut que je remette la musique. Voilà. On joue Jean-Luc Mélenchon dans un aspect pixel art très Super Nintendo. Et le but, voilà, c'est d'attraper les capitalistes, je crois. Et on le secoue pour lui faire cracher sa thune. Rends l'argent. C'est vraiment le concept de rends l'argent aux abonnés. Alors, s'il y a des amis développeurs qui s'y connaissent en développement, qui récupèrent le code source ou qui partent sur la même base. Et qu'à la place de Mélenchon, on fait genre, on est un petit youtubeur débutant et on a que les gros stars, genre les Antoine Daniel, les joueurs du grenier, les Diablo X9 et tout ça, et on doit rendre l'argent aux abonnés et on doit les secouer comme ça pour qu'ils rendent l'argent aux abonnés, ça serait vraiment génial. C'est un concept à prendre, faites-le pour l'humour et pour le fun. Surtout que voilà, le jeu est très simple, donc on se promène de gauche à droite, on le secoue et on le jette, et ça fait des combos quand on tape d'autres capitalistes, ça fait des combos. Et vous allez voir, on peut déclencher aussi une furie qui est vraiment bien faite. Alors voilà, faut faire gaffe aussi de pas perdre ses vies. On perd ses vies relativement facilement. J'ai fait vite fait un petit test. J'ai fait un petit. Dites donc, Jérôme, où allez-vous comme ça? Je vais prendre l'air en Suisse. Avec le vent derrière. L'ambiance, elle est géniale. L'ambiance au niveau jeu vidéo, elle est génialement bien respectée et bien foutue. Ne prenez pas cet air arrogant, vous devriez vous réjouir de payer vos impôts en France. Laissez-moi tranquille, Mélenchon, et je vous le dis droit dans les yeux, vous êtes un homme seul. Détrompez-vous, vous êtes des millions, mais nous sommes des millions. Jérôme, l'intouchable. Et plus on va avancer dans les niveaux, et plus on va avoir des ennemis qui vont avoir plus de vie, comment dire? Plus de vie, ils sont plus rapides, voilà. Le truc à prendre, c'est que ils font vraiment un truc elliptique. Donc faut vraiment attendre le bon moment si on veut favoriser le combo. Et évidemment, quand on favorise le combo, bah, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Alors là, j'ai ma furie qui est prête. On va attendre juste d'arriver à un nouveau boss.
tout simplement. Et de pas mourir, ça serait cool aussi. Voilà, on va faire le... Putain, pourquoi je m'appelle Jérôme ? Monsieur Mélenchon, suivez nos recommandations, votre programme est inapplicable. Nos experts sont catégoriques, il n'est pas chiffré. Mais madame, mon chiffrage est en ligne. Quant à vos experts, nous en trouverons d'autres qui se coûteront bien moins cher. Christine, pied dans le tapis. Bon ! Alors j'ai pas compris ce qu'il disait. J'aimerais bien savoir ce qu'il disait. Ah, des vies. Oh putain, j'ai quasiment pas de vie et je suis que level 5. Oh, j'étais monté, je crois, level 16 quand j'avais fait Zega. Ça me rappelle un peu karaté. Oh, des vies. Non. Et quand on meurt? Quand on meurt, donc j'ai récupéré 9000 euros au capitaliste et je contribue au trésor public. Et donc je donne ces 9000 euros au trésor public. Et là, le jeu il est communautaire, c'est-à-dire que voilà, à l'heure actuelle, il y a eu 27 494 519 833 euros qui ont été collectés. Parce que c'est là. Voilà, l'objet. Voilà. Voilà, il y a un objectif à remplir, je sais pas ce qui se passe quand l'objectif sera rempli. Donc c'est communautaire, et c'est génial. On va refaire une vidéo dessus. On va refaire, je veux dire, une... Il dit hypocrite. Ah ok, merci. Hypocrite. Ah, c'est pas mal. Kaioken. Hypocrite. C'est pas mal, c'est pas mal, il y a du truc. Il y a de l'idée. On va refaire une partie. Mine de rien, il est pas facile, mais il y a un coup à prendre. Il y a vraiment un coup à prendre. Mais là, je joue dans des mauvaises conditions. Voilà, le truc c'est aussi de les secouer, hein. C'est quand on les secoue, parce que si on fait que les balancer, on augmente le combo, mais on gagne pas d'argent, donc il n'y a aucun intérêt. Donc vraiment l'idée, c'est de les secouer. Et de les comboter. Et après tu peux ramasser des fois deux combos, une fois j'étais monté à combo fois 70, 70, c'est énorme. On va l'attendre. Biatch! Et la musique, elle est très chouette, hein, n'empêche. Voilà, quand on est à côté des poubelles et qu'on les balance sur les poubelles, ça donne les objets. Ah non, c'est les... Ah bah voilà, je suis à x46 de combo. Donc voilà, on peut vraiment péter le score. Le même... C'est ça que l'idée, c'est que le système de scoring... Le système de scoring lui-même a été bien pensé. C'est vraiment pas un jeu fait à l'arrache de manière ridicule ou quoi que ce soit. Le jeu a été bien pensé, bien designé, avec une bonne musique, avec un gameplay intéressant, avec... Le jeu a été bien développé. C'est ça qui est fou. C'est ça que je trouve fou. Ah oui, hypocrite. Ou alors hypogriffe. Ah par contre j'ai perdu mon combo parce que j'ai mis trop de temps, tout simplement. Ah non, j'ai pas eu le temps de l'acheter. Mais non. Le truc c'est... Mais non, mais t'es sérieux? Vous voulez pas me donner des vies? Ça serait cool. Mais non, mais t'es sérieux? Ouais, un x2, je m'en fous un peu. C'est des vies qu'il me faudrait. Parce qu'après, on change de location et tout. De location. De lieu, on change de lieu et tout. Mais là, j'ai trop pas de vie, laisse tomber. Lâchez-moi! Oh, des vies! Magnifique.
Eh bien. Ah, mais ils sont trop collés là, je vais me faire démonter là. Quelqu'un là, à droite, non, s'il vous plaît. Oh putain. Oh merde. Oh, débile. J'ai un coup de bol. Bon. Il semble qu'ils soient tous partis. Voir le programme en ligne. Ça fait 130 000 ce matin, putain, là, bien wesh. Franchement, Jean-Luc, on n'avez pas marre de tracasser Liliane? Si vous... si je vous fais dédicacer un petit album de Carla, vous adoucirez. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Figurez-vous qu'en ce moment, je suis plutôt Mozart. Mais trêve de bavardage, les planètes n'attendent pas. Nicolas, double ration. Ah oui, David. Tiens bien la Christine. Mais non. Mon combo. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. J'espère que cette découverte vous a plu. Je vais faire, je pense, d'autres lives dans la journée. Je ne sais pas quand exactement. Je ne sais pas quand exactement. Je ferai d'autres lives dans la journée. Ah, le jeu a planté, on dirait. Je suis à planter. C'est bien, le jeu est tellement bien développé, il respecte tellement l'univers des jeux vidéo qu'il arrive même lui-même, ils ont fait des simulations de plantage, c'est magnifique. Je ferai sûrement d'autres lives dans la journée, je ne sais pas quand. Par contre, lundi, j'ai un TP, donc je ferai aussi des lives sur la virtualisation et la création de serveurs DHCP, de serveurs DNS pour m'entraîner. Donc ce ne sera pas vraiment du jeu vidéo, mais on va voir. F5 ? Oui, mais F5, ça va recharger la page, tout simplement, donc ça quitte la partie. Donc sur ce les amis, Fiscal Combat, n'hésitez pas à faire votre high score. Je referai d'autres parties au calme pour essayer vraiment de péter le score, voir jusqu'où je peux aller. Mais c'est du très bien. Je répète une dernière fois, partez pas dans des débats politiques, je m'en fous. C'est le jeu vidéo qui compte et le fun. Et putain, si quelqu'un entend cette vidéo, faites une version avec les youtubeurs, avec rend l'argent aux abonnés. Ça serait tellement kiffant. Ça serait tellement kiffant. Sur ce les amis,